Cette Merci. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, alors je me mute et je vous laisse. Bon panel, merci. Bonjour et bienvenue à ce panel, cette discussion sur la marginalisation, les différentes formes de marginalisation pour les artistes qui sont issus de l'immigration racisée et aussi queer et trans, organisée par Fierté Montréal. Je m'appelle Kamala Makrel et j'ai le gros privilège aujourd'hui de pouvoir discuter avec Kimura Biol. Donc je vais vous que je vous, vous Pardon, que je vais vous présenter d'abord. Le travail de Kimura Biol, Nathalie Lemoine a été exposé, projeté, publié et soutenu sur la scène nationale et internationale dans divers contextes, allant du cinéma au festival, des galeries aux espaces d'art alternatifs. Pardon. Son premier film, Adoption, a remporté le Grand Prix Edgeon en Europe aujourd'hui, en 1988. Yel et Récip du programme de mentorat du MAI, du Montréal Art Interculturel, du prix Powerhouse de la Centrale, et en 2017 obtient la résidence en cinéma Regard sur Montréal. En 2000, Yel a publié l'essai 55% Korean et son prochain essai 88, etc. est en cours de publication par les Ateliers des Cahiers, une maison d'édition française installée en Corée qui se concentre sur les travaux d'écrivains, d'écrivaines coréens-coréennes. Kimura Biol, Nathalie Lemoine a fondé et continue de travailler sur ACA, Archives culturelles des adoptés, documentant l'histoire de la culture des adoptés à travers les médias et les arts. Alors, bonjour Kimura, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conversation. J'aimerais un peu commencer, tu sais, on commence toujours par lire les bios, mais moi j'aime bien le récit qui vient du jeu. Et je me demandais, est-ce que tu voulais nous parler un peu de ta trajectoire artistique pour commencer? Ça a été quoi la trajectoire qui t'a ramené à l'art? Je pense que la toute première approche artistique que j'ai eue, c'est quand ma grand-mère m'a donné des pinceaux et quelques feuilles de dessin un peu plus cartonnées pour pouvoir faire de l'aquarelle. Et elle m'a dit, parce que j'étais un petit peu en moment de crise à l'époque, donc c'est ma grand-mère adoptive maternelle, et elle m'a dit, tu pourras te libérer là-dedans. Et je pense que c'est la première fois que j'ai commencé à dessiner des très mauvais dessins, évidemment. Mais c'est ce qui m'a donné la fibre de pouvoir un peu exorciser tout, je dirais pas les traumas, mais comme les petits questionnements que j'avais. Ouais. Donc c'est ça. Après, c'est vraiment mon premier travail artistique reconnu, je dirais. C'est avec mon film Super 8, à l'époque c'était Super 8, c'était pas vidéo, Adoption. Et je l'avais fait vraiment par hasard, en gagnant un petit concours de scénario qui m'a mené à une réalisation, qui m'a mené à un prix et qui m'a mené en Corée. Wow. Donc les l'image, tu travailles beaucoup avec l'image dans ce cas. Oui, je suis très visuelle, je suis très peu, je suis pas du tout intellectuelle, mais j'aime les gens intellectuels parce qu'ils m'apportent justement ce que je n'ai pas. Donc je suis très à l'écoute, je ne lis pas, je suis dyslexique, donc je lis très peu, mais j'aime bien écouter, je préfère écouter l'audio. Je suis aussi un peu ADD, donc je n'ai pas un temps de concentration très long. Donc c'est pour ça que mes vidéos sont assez courtes aussi. Le fait d'être visuel, je pense que ce n'était pas un choix, c'était une façon de survivre aussi, je pense, parce que justement, le fait de ne pas être intellectuel, bah, c'est une autre façon de s'exprimer aussi, d'être peut-être écouté ou entendu ou remarqué d'une façon autre que ce qui est dans la norme, c'est-à-dire académique. Donc voilà, je pense que c'était ma façon à moi de mettre ma petite brique dans le mur artistique, même si ça m'a pris du temps de m'accepter en tant qu'artiste.
Donc, en tant, tu sais, en tant qu'artiste queer, trans, issu de l'adoption transnationale, donc de l'immigration dans ce contexte très spécifique, étant aussi artiste racisé maintenant dans le contexte québécois, comment est-ce que tu, c'est quoi l'importance de l'image pour toi par rapport aux images qui circulent déjà et qui sont déjà qui existent déjà dans les discours dominants, et ensuite les images que toi tu rapportes à travers ton art. Et bon, je pense que c'est le fait de la visibilité, c'est que chacun parle de son histoire. Et même si la représentation générale est peut-être plus présente, sûrement, c'est l'image de l'homme blanc, souvent cis, gay, ou la lesbienne aussi, même qui est maintenant blanche, souvent. Et donc, en tant que personne de couleur, déjà, ça m'a pris du temps de me dire que j'étais une personne de couleur, même si je sais, enfin, c'est clair quand on se fait insulter de Ching Chong Chong, etc. Mais dans le discours global, c'est de se dire, d'oser prendre sa place et de se dire qu'on contribue à une culture qui est déjà minorisée, c'est-à-dire la culture LGBT. Moi, je suis intersexe, ça m'a pris du temps de m'accepter en tant qu'intersexe. Ce qui a été le plus dur, en fait, pour moi, c'est ça. Parce que on n'en parlait pas beaucoup dans le LGBTIQ. Il y a le trans qui vient même avant intersexe. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était la première fois vraiment qu'il y avait le contingent intersexe qui défilait à Montréal. Et pour moi, c'était vraiment important d'être là, même si on était 3, vraiment vrai intersexe. Enfin, c'est quoi vrai aussi? Parce que c'est un spectre du genre. Mais je pense qu'on est avec Jannick et puis Hélène. Mais j'étais la seule personne de couleur. Il y avait une personne qui venait, je pense, des États-Unis qui était Latinx. Et son chum. Et puis des amis à nous. Donc on n'était pas beaucoup. Mais je pense que ça a été repris dans ma vidéo Couille. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une vidéo qui, en général, je parle pas frontalement des choses, je parle un petit peu en biais et je mets plusieurs niveaux de lecture à mes vidéos. Donc, c'est vrai que j'ai pris un corps occidental, j'ai pas pris mon corps parce que beaucoup de gens se représentent en tant que tel et ce qui est très bien aussi, mais il faut oser, il faut aussi pouvoir se mettre à nu, je dirais, entre guillemets, devant un public. Et là, je trouvais que ce n'était pas nécessaire qu'on voit mon corps. Et donc, j'ai une amie qui a bien voulu faire le travail, mais c'est un peu subversif, mon travail. Donc, c'est jamais dérivé. Donc, la première vidéo, c'est quand j'étais à Montréal où je me sentais plus en sécurité, que j'ai pu la réaliser. Et puis, j'ai réalisé une autre vidéo qui s'appelle Hairy, ou Poilu, avec un E. Donc, je pensais à faire une transition et c'est le jour où j'ai décidé de faire mon opération pour devenir pas une vraie femme, mais une femme plus dans la normalité biologique. Et donc, ça, c'est des petits points qui, pour moi, sont marqués par des gestes artistiques, donc des vidéos, mais qui sont en lien avec ma vie, mais qui ne sont pas directement. Je n'ai pas filmé mon opération, par exemple. Donc déjà, j'étais endormie. J'ai pas filmé après, etc. Et par exemple, à la centrale, j'en ai fait pour une exposition. J'ai pris les empreintes de ma chatte, ma nouvelle chatte. Et donc, mais c'est aussi très abstrait parce que finalement, avec mon parcours artistique, étant retournée en Corée du Sud, j'ai appris la calligraphie. Et parce que j'ai appris la calligraphie, j'avais ce médium qui était l'encre de Chine, que je n'avais pas vraiment utilisé avant, qui en fait se reflétait plus par l'aquarelle, qui est similaire un peu. Mais avec l'encre de Chine, j'avais une autre vision du carré blanc, de la page blanche. Et donc, des pleins, des vides, on appelle en Asie le ma, donc c'est le vide. Et donc de travailler avec ça. Et je pense que c'est mon travail le plus fini, mais qui est le moins représenté parce que
C'est pas dégoûtant, mais c'est un peu. Les gens ne comprennent pas ce que c'est, ils pensent que c'est un os, mais c'est des bandes hygiéniques avec une empreinte de machette en temps de ménopause. Donc, c'est un peu plusieurs trucs, mais les gens trouvent ça, oh, c'est joli, mais ils ne comprennent pas ce que c'est. Et peut-être c'est bien parce que l'art a plusieurs regards, évidemment. Il y en a qui s'intéressent plus, mais moi, je trouve que c'est mon travail le plus, le I dans le LGBTIQ. Voilà. Dans le Merci. Ouais, merci. Tu sais, t'as dit quelque chose d'intéressant par rapport à la notion. Ben, moi, je réfléchis beaucoup à la notion du public et du privé. C'est surtout en tant que personne non conforme dans le genre. C'est souvent il y a cette question pour les personnes trans, par exemple, parlant de ma perspective, c'est le besoin de visibilité d'un côté qui est important, mais d'un autre côté, essayer d'avoir un espace qui soit privé. Donc, par exemple, il y a souvent cette question chez les personnes trans par rapport à, tu sais, qui s'en viennent, ah, mais est-ce que tu as eu l'opération? Est-ce que, tu sais, qui sont des questions, il y a cette espèce d'intrusion par rapport, il y a ce questionnement par rapport, mais à quoi ressemble ton corps, à quoi ressemblent tes organes génitaux, etc. Donc, je voulais savoir, toi, au cours de ta carrière, au cours de ta vie, comment est-ce que tu navigues les moments où tu choisis de garder les narrations, les récits ou même les images comme privées, comme t'appartenant à toi? Et c'est quoi les moments où tu décides de les mettre dans ton art d'une manière plus publique? Moi j'étais adoptée en 69 et le jour de mon arrivée, ça a été public. C'est-à-dire qu'il y avait des journalistes. J'ai fait une page dans un journal avec mes parents adoptants, donc je n'avais pas le droit à mon image. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression que mon adoption, parce que c'était une des premières adoptions interraciales et internationales en Belgique, ça a été très médiatisé. Ça a toujours, ça a été, il y avait souvent des journalistes qui venaient chez nous, qui venaient dire est-ce que vous êtes bien adoptée, etc. Donc l'idée du privé n'a jamais vraiment existé pour moi. Mais au lieu de me dire que c'était honteux, j'ai pris la décision d'en parler simplement et de ne pas en avoir honte. Ce qui était en soi, en tant qu'adolescent ou personne plus jeune où j'avais pas vraiment de pouvoir, était un peu plus compliqué parce qu'on se moquait de nous à l'école. Parce que les gens disaient, qui disaient c'est vrai que vous faites ça ou ça parce que vous êtes asiatique ou quoi. Ou parce que vous êtes adopté. Souvent, en tant qu'adopté, déjà, on a la remarque, est-ce que tu as retrouvé tes parents? Est-ce que tu préfères ta mère biologique ou ta mère adoptive, etc. Tous ces trucs qui sont très intrusifs et qui, pour nous, autant que pour des personnes racisées, d'où tu viens, etc. Toutes ces questions, je les ai eues. Donc, c'est pas nouveau. Le fait d'être intersexe, c'est pas nouveau. Le fait, quand les gens me demandent par rapport à ma transition, etc. Oui, je suis trans, mais transnationale, transraciale. Plein de trans, donc transbody, etc. Donc, finalement, je me suis dit, ben, si je réponds pas, il y a aussi des limites dans ce que je veux bien répondre, mais c'est juste par rapport à ma vie amoureuse où je suis le plus discrète. C'est-à-dire que là, j'en parle pas parce que c'est par rapport à une autre personne aussi, c'est pas ma vie. Donc, je peux dire que je suis en couple, mais je ne dis pas le nom de la personne, je ne dis pas avec qui. C'est tout. C'est vraiment le reste est quasiment dans mon travail artistique, de façon pas donc frontale comme je le disais, mais de façon à ce que ça puisse amener une réflexion ou un petit dérangement qui permet de chacun de faire ses devoirs ou de se dire qu'il n'y a pas qu'une façon de penser. Merci pour cette réponse. Tu sais, c'est intéressant quand t'as parlé aussi parce que une des choses qui ressort pour moi, c'est les multiples formes d'invisibilisation, en fait. C'est que déjà, d'un côté, déjà, tu parlais du I, donc c'est de l'expérience d'être intersexe qui, même dans le LGBTQ+++, ce n'est pas, c'est pas la première conversation qu'il y a. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes même dans les communautés LGBTQ+, ou tu dirais intersexe, qui peut-être ne sauraient pas encore, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a déjà comme tu le disais, une invisibilisation de cette expérience d'un côté, mais de l'autre côté, l'expérience de l'adoption
est aussi souvent invisibilisé dans le sens que, ben, dans le discours contemporain, on parle de personnes racisées souvent, mais sauf que le être une personne racisée, c'est il y a multiples formes d'être une personne racisée et l'histoire, c'est l'histoire du transnationalisme dans ce sens-là est différent, dépendamment de si je suis de deuxième génération ou si je suis la personne qui a immigré ou dans un contexte d'adoption, parce que j'ai l'impression que dans le contexte d'adoption, il y a aussi quelque chose qui est effacé. Qui est effacé dedans. Donc, ce qui fait qu'il y a ces multiples moments d'invisibilisation, d'invisibilité. Je me demandais donc comment est-ce que pour toi comment est-ce que tu gères ces espaces d'invisibilité? Comment est-ce que tu crées un espace pour rendre ton récit visible ou peut-être pas dans certains contextes? Je pense que le plus gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'intersectionnalité. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent que la vie soit simple. Déjà, que tu sois gay ou que tu fasses partie de la famille LGBTIQ, c'est déjà un gros problème pour eux. Donc, ils veulent réduire au maximum, et dans l'art aussi, et dans, je pense, toutes les sociétés, on veut te dire, est-ce que tu es belge ou canadienne? Est-ce que tu es coréenne ou japonaise? Est-ce que tu es un homme ou une femme? Est-ce que c'est toujours l'un contre l'autre? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas embrace? Embrasser, accueillir toutes ces identités et former notre personnalité comme telle. Et c'est ça l'enrichissement de chaque personne, justement, de pas se dire, ah ben c'est un homme ou c'est une femme ou c'est une trans ou un trans et c'est tout. Mais il y a tellement de layers chez les gens, enfants divorcés, nés sous X, etc. Il y a tellement, tellement de layers et c'est ça, c'est grâce à nos amis qu'on peut apprendre. Avec le respect qu'on leur doit et donc de ne pas forcer le partage d'informations. Et ça, c'est, je trouve, ça prend du temps d'apprivoiser une personne, de pouvoir vraiment avoir les vraies réponses et si on s'intéresse vraiment à la personne et ce n'est pas juste de l'arrachage d'informations. Donc, je pense que ça, c'est important, mais je pense qu'on a tellement été silencieux, on s'auto-censure aussi. Donc, c'est des moments où on disait, ah oui, mais ne parle pas de ça parce que de toute façon, c'est déjà compliqué. Mais tout est compliqué, la vie est compliquée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir justement comprendre les méandres d'une identité, d'une société, et de pouvoir, grâce à ça, pouvoir changer des lois, des comportements, etc. Donc des actions médicales aussi. Donc tout ça, c'est important. Et si on minimise les réalités, ben, ce ne sont pas visibles. Donc, elles ne sont pas transformables ou changeables ou améliorables. Donc, c'est ça aussi. Ouais, merci. Tu sais, quand c'est tellement riche tout ça, c'est vraiment très, très riche. Quand t'avais commencé un peu plus tôt et que tu parlais, ben on parlait de la relation à l'image. Une des choses que t'avais nommé, c'est le fait de prendre sa place en fait, d'avoir à prendre sa place. Et là tout juste, tu parlais aussi de cette notion de silence, les multiples manières dans lesquelles on a été rendu silencieux, silencieuse, ou on s'auto-censure parce qu'on a été conditionné à s'auto-censurer. Et comme tu le sais, étant donné qu'on se connaît depuis quelques années dans divers cercles, je m'intéresse beaucoup aux conversations intergénérationnelles. Je m'intéresse beaucoup à la question, bah, qu'est-ce qu'on transmet de génération en génération? Donc je vais te formuler cette question dans un contexte intergénérationnel parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de jeunes, bah, du moins que moi je rencontre, qui vivent justement à l'intersection de multiples identités et multiples oppressions comme nommé, qui ont du mal à prendre leur place ou qui comprennent même, tu sais, ou même le concept, l'idée, l'imaginaire de prendre sa place est tellement éloigné, en fait, il est tellement lointain. Pour toi, c'est quoi, par rapport à ton expérience de vie, ta carrière, ta trajectoire, c'est quoi les conseils que tu donnerais à une nouvelle génération qui veut prendre sa place mais qui ne sait pas comment faire pour prendre sa place? Moi, je dirais d'abord qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir et que justement, parce qu'il y a des générations avant qui sont passées avant eux ou elles, et elles aussi parfois, c'est de se dire qu'il y a maintenant du matériel qui est archivé, que maintenant il y a Internet aussi, il y a du bon et du moins bon, mais qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup d'artistes
et donc d'aller puiser là-dedans, de faire leurs recherches, parce que c'est peut-être pas nécessairement nos parents ou nos amis qui sauront nous guider le plus. C'est à nous aussi à faire le devoir. Et je pense que c'est toute une expérience de vie. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être parfois au balbutiement, même s'ils sont très forts dans leur identité, ce qui est très bien. Mais est-ce que cela, ils le transposent en force et qu'ils se disent, parce qu'ils sont, ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont, parce ils s'acceptent comme ils sont, ce qui est parfois très difficile quand on est jeune. Et parce qu'ils ont cette force-là de l'utiliser à bon escient. Donc, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, de rencontrer les communautés, c'est important, mais ce n'est pas tout non plus, parce que chacun est à un niveau différent. Quand on est plus jeune, parfois on est plus en colère, ce qui est très bien. Il faut cette colère pour pouvoir évoluer. Moi, à mon âge, à demi-siècle, je me dis que j'ai plus cette colère, et c'est parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens. Je me suis beaucoup informée, comme j'avais des problèmes d'apprentissage, ben j'ai plus été vers les images, etc. Quand je vois même les images d'Andy Warhol, c'est pas comme hétéronormatif non plus nécessairement. Sa façon de créer n'était pas nécessairement hétéronormative. Donc, il y a plein de gens qui sont avant nous et de pouvoir avoir accès à ça. Il y a des vidéothèques, même sur l'ONF, il y a plein de films qui sont gratuits. On regarde LGBT. Il y a plein de maintenant plateformes où des films sont plus accessibles. Donc, je pense que c'est important, mais pour aussi les personnes de couleur, il y a maintenant de plus en plus aussi. Donc, de ne pas aller simplement regarder des films occidentaux, enfin blancs, ou qui portraient des blancs. Il y a des choses maintenant qui se font par les personnes de couleur aussi, qui existent. Et donc, ça, c'est important. Mais quand je parlais de l'invisibilité, c'est qui nous invisibilise aussi? C'est parfois le mainstream, c'est-à-dire les commissaires, les distributeurs. Les producteurs qui veulent qu'on raconte une histoire très simple, parce que le public blanc québécois, on m'a souvent dit ça, ne comprendra pas. Et je dis, mais moi, je ne prends pas le public québécois pour des cons. Je sais qu'ils ont cette capacité d'apprendre. À partir du moment où tu émets un sentiment, tout le monde peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est comment l'histoire est racontée. Et si on dit que le public québécois à la bande blanc, comme on dit, ou pure laine, comme on dit ici, déjà, ça va. Ne pas les éduquer, pas nécessairement éduquer, ah, je veux que tu apprennes ça, mais les gens sont curieux de nature. Et donc, si on leur propose seulement une sorte de média ou de culture, ben, évidemment, ça va minimiser. Et je pense que ça, c'est le problème des commissaires, tout ce qui donne la visibilité, c'est eux leur responsabilité. Il y a les gens qui créent, on a plein de matériels qui ne sont pas montrés. Et je trouve ça tellement triste. Mais après, qui choisit quoi et pour quel intérêt, etc. Donc aussi, c'est j'aime le Québec pour ce qu'il est. Mais je pense que toute société est à évoluer. On évolue ensemble. Je ne sais pas si tu as vu je dis vous maintenant. je parlais pour les gens qui peut-être peuvent nous regarder aussi. C'est le petit clip de Lekoa qui avait fait Mieux rêver et qui était programmé pour le premier, c'est quand la Saint-Jean, pour la Sainte-Jeanne, j'appelle ça. Et donc, c'était de montrer de différents, aussi penser aux autochtones, mais c'est la première fois qu'il y a un centre autogéré autochtone. Ça a pris autant d'années. Donc, je me dis, nous, en tant qu'immigrants, moi, je suis immigrante, c'est sûr. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas, parce que même si j'ai été éduquée par des parents blancs, en Belgique, c'est toujours, pour les adopter, c'est toujours cette question. On n'est pas vraiment immigré parce qu'on n'a pas vécu d'expérience d'immigré, mais oui, parce qu'on s'est aussi fait insulter à l'école, etc. Parce que aussi à cause de notre couleur de peau, ou que ce soit le racisme positif, dit positif, ou souvent négatif aussi, c'est de. D'avoir toute cette idée que l'immigration, les deuxièmes générations ici sont souvent plus silencieux et les gens, enfin, moi ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, il y a beaucoup d'afro-descendants de deuxième génération ou d'asiatiques aussi de deuxième génération qui ne sont pas, toujours pas considérés comme québécois et qui doivent forcer leur accent québécois parfois pour prouver qu'ils sont québécois, alors que des Français qui viennent d'arriver auront un.
Et ça, c'est le racisme existant, ambiant. Et je trouve que c'est d'améliorer ce genre de. Déjà de le verbaliser, je pense, avec Black Lives Matter, et puis tous les gens qui font des dérivés de ça. Oui, mais toutes les vies sont importantes. Oui, mais toutes les vies sont importantes quand il y a de la discrimination, du racisme systémique dans toute la structure sociétale. Il y a des problèmes de qui on choisit, qui est plus punissable que l'autre, les droits de vote, etc. Et donc, je pense qu'il y a tellement de choses à changer, mais ensemble, peut-être l'art est un bon moyen, un bon médium de faire comprendre des choses qui sont plus difficiles si on le met justement frontalement ou trop directement. Parce que les gens ont tendance à se refermer quand on les accuse, mais on les accuse, on fait partie aussi, donc on a aussi notre chemin, notre brique à mettre pas le mur, mais dans le paysage québécois, et c'est pas que le Québec. Et puis tout le monde, moi, la question qui m'irrite le plus encore, c'est oh, c'est vrai qu'il y a ça au Québec, il y a du racisme au Québec. Et ça, c'est vraiment pour te silencier, pour dire on peut pas commencer une conversation si on doit recommencer à zéro chaque fois. Oui, il y a du racisme, mais comme partout. C'est ça, c'est pas dire qu'on est mieux ou moins bien. Vous n'êtes pas moins bien, mais vous n'êtes pas mieux non plus. C'est ça, c'est comment on apprend aussi ensemble. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup cette approche en fait, ouais, d'apprentissage en fait, c'est de toujours laisser l'espace pour tout le monde, pour grandir, pour apprendre, pour désapprendre, pour réapprendre. Pour décoloniser notre pensée, notre corps, et ça c'est pour les jeunes aussi, c'est que oui, ils sont au début, et parce qu'ils ont encore cette énergie, cette force, qu'ils l'utilisent pour ça, qu'ils soient curieux, qu'ils aillent voir. Oui, il y aura beaucoup de confrontations, mais c'est la vie, et c'est pas la fin du monde non plus. Donc, il y a des communautés, il y a des livres, il y a des expositions, des images, des vidéos, des films où ils peuvent se retrouver, aller chercher. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'ai une question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que, parce que je sais qu'en ce moment, bah, dans les temps dans lesquels on vit, par exemple, il y a beaucoup de ressources partout qui circulent en ligne, il y a des listes, etc., par rapport au racisme, l'antiracisme, spécifiquement l'histoire des personnes noires, des communautés noires, etc., mais par rapport à l'adoption, j'ai l'impression qu'on, bah, on en parle moins. Est-ce que tu aurais Ben moi, certains j'ai commencé. documentaires, livres, etc., ressources pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être ne connaissent pas où commencer? Justement, j'ai créé un jour, je ne sais pas, il y a quelques années, je me suis cassé le pied ou je me suis foulé le pied. Donc, j'étais une semaine au lit. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce moment-là? Est-ce que je crée un travail artistique où je risque encore plus de me blesser? Ou est-ce que je fais quelque chose de peut-être utile pour la communauté et avec l'âge que j'ai maintenant et les ressources Internet? J'ai créé l'archive culturelle des adoptés ou Adoptee Cultural Archives. Donc, je pense qu'à mon âge aussi, j'ai le temps, je peux avoir une overview un petit peu. Il y a encore plein de choses qui se passent, mais donc de donner accès et j'ai fait des listings. Donc, d'associations d'adoptés par pays, dans différents pays, tout ce qui existait, enfin, de ce que je pense. Et je suis toujours, écrivez-moi si vous avez d'autres sources, c'est toujours important. Donc, moi, j'ai fait une liste de films faits par des adoptés, interraciaux et interculturels. C'est vraiment ça, le truc, c'est pas juste, je fais pas la liste des films de blancs adoptés par des blancs, parce que il y a une autre dynamique aussi. Je pense qu'il y a des ressources aussi. Mais je pense que le fait, le chaînon d'adoption interraciale et internationale, quand je parle international, c'est parce que souvent il y a un problème de langue aussi. C'est-à-dire que moi, si je vais en Corée, je parle pas la langue et c'est difficile d'avoir accès à mes informations, à ma culture. Quand c'est par exemple des Français qui sont nés en France, qui sont de couleur, mais qui sont nés en France et qui ont accès, c'est tout à fait différent aussi de se sentir aliéné ou pas. Donc, pour aussi les autochtones, même si c'est là domestique, adoption domestique, c'est-à-dire autochtones dans leur pays, mais adoptés par des blancs. Ça, j'ai aussi fait des listings. Par exemple, il y a une très bonne artiste, Tracy Moffat, que je répertorie aussi qui est aussi une aînée, je dirais. Il y a aussi, pour moi, en tant que personne justement LGBT, c'est-à-dire que je ne vais pas censurer les adoptés qui sont LGBT et qui sont gays.
Alors que souvent, quand si on est adopté, on va mettre tout ce qui est hétéronormatif. Donc là, j'ai mon devoir en tant que personne LGBT d'insérer et de normaliser ça dans toute la documentation. Je ne vais pas dire, ah, c'est LGBT, mais je le mets au même escient. Par exemple, j'ai fait des livres, des guides d'artistes de la diaspora coréenne et j'ai inséré des adoptés parce qu'avant, ils n'étaient pas acceptés, considérés comme coréens de la diaspora. Et puis, les LGBT étaient mis de côté aussi. Donc, tout ça, c'est mon devoir, je dirais, militant, qui n'est pas, je vais aux manifestations, etc., mais qui existe sur le net. Et donc, ça, si vous voulez, je pourrais le partager. Il y a des films LGBT, de personnes adoptées, de couleur aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs intersections aussi. Des personnes disabled aussi. Adoptés, qui écrivent aussi ou qui font des films. J'insère tout ce qui est possible dans la diversité possible de ce que je connais. Évidemment, je suis vraiment. Je remercierai les gens qui peuvent me donner plus d'informations parce que je veux que ma liste soit vraiment le plus riche possible. Ouais, merci. Donc ça, c'est les archives culturelles des adoptés, c'est bien ça? Oui, c'est sur Ouais, WordPress. ok. Et, de toute façon, il y a un lien sur mon site internet. Et je vais vous le mettre si vous voulez aussi. Ouais, on Parce qu'il y mettra a son. aussi, je pense justement dans la communauté LGBTIQ, il y a beaucoup de parents qui adoptent, pas nécessaire avant qu'ils aient la possibilité de par la PGA, hein, Pregnant Gestion d'autrui. Ben, il y en a beaucoup qui ont adopté et qui minimisent le fait que leur enfant soit des personnes de couleur et que le seul fait qu'ils soient déjà un peu différents parce qu'ils sont une famille LGBT, ça suffit à l'enfant de comprendre la différence, mais non. Parce que justement, et donc je pense que aussi de leur faire comprendre qu'il y a plusieurs niveaux dans leur famille aussi et qu'ils doivent accepter cette différence et que ce n'est pas une tare du tout, mais que c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est aussi pour ces gens-là qui sont souvent majoritairement blanches aussi. C'est à qui profite l'adoption, c'est souvent c'est un post-colonialisme. On critique ou pas, mais en fait, le tout, c'est de pouvoir améliorer la condition des gens qui le vivent. Ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup l'approche tellement nuancée, tellement intersectionnelle, parce que pour moi, vraiment, ce que tu articules là, c'est pas tout juste une théorie de l'intersectionnalité, mais c'est une pratique. C'est pour moi, c'est concret dans ton travail, dans ton œuvre, tu l'intègres. Dans ce sens-là, une des choses que tu as mentionné aussi, que je trouve très riche, c'est que c'est de réfléchir à ce travail. Comme aussi une forme d'activisme, de militantisme, dans le sens que souvent, je trouve, il y a un peu cette perspective, que le militantisme, justement, ressemble à aller manifester, ce qui est tout à fait légitime, c'est une stratégie, importante et nécessaire, mais aussi, il y a aussi multiples formes, de résistance intersectionnelle, et je trouve que ce que tu fais par rapport aux archives, en particulier, est très, très riche. C'est une forme de résistance très forte. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si moi je vais dans une manifestation à cause de ma gueule, à cause de mon apparence physique, c'est sûr que je vais être plus en proie d'être arrêtée. Donc, c'est aussi en connaissance du coup, je me suis déjà fait arrêter, j'ai déjà été mise par terre, j'ai déjà eu le bras tordu, etc. Donc, j'ai pas envie de revivre ça. Et je pense que quand les gens me disent, ouais, mais de toute façon, tu dis tu es une personne de couleur, LGBT, etc., mais tu vas même pas manifester pour le racisme. Chacun a ses capacités et ses limites aussi. Et donc, ils ne me demandent pas pourquoi je n'y vais pas. Ils me demandent même pas, ils m'accusent déjà. Donc, je pense que même les alliés, au lieu d'accuser ou de juger un comportement d'une personne, s'ils s'intéressent vraiment à la personne, c'est demander pourquoi est-ce que, ou il y a d'autres manières de pouvoir militanter. Eux, en tant que personnes blanches, ils peuvent aller manifester parce ils seront moins à risque de se faire arrêter. Donc, c'est ça aussi, c'est des réalités. Ils s'en rendent même pas compte oui, ils sont pas racistes, mais
ou d'un côté oui, parce qu'ils te jugent en disant ouais, t'es une personne de couleur, donc tu dois aller. Et c'est vraiment donc tous ces petits comportements. Mais je pense, je sais pas, il y avait une question de Félicia qui disait pour la marginalisation inspire l'art. C'est dans le petit. Oui. Ouais. Tu vois-tu? Oui, je le vois. Donc, Je ne sais pas si est-ce c'est dans je tu veux vais en parler plus tard. ouais, je vais peut-être la formuler comme une question et on Ok. continuera. Ouais. Donc, est-ce que tu trouves que la marginalisation, l'expérience de la marginalisation, en fait, nourrit ton art, inspire ton art, ou est-ce que ça va à l'encontre de ton art? Ça le détruit, non, mais ça le limite dans la visibilité des personnes qui vont choisir de le présenter ou pas. Ça, c'est clair. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Et oui, ça m'inspire beaucoup parce que c'est souvent l'art, c'est en réaction à quelque chose. Soit, par exemple, l'impressionnisme, le cubisme est venu après parce que justement, voilà, il y a eu la peinture, après on n'a plus besoin, donc on a fait la photo parce que c'était plus rapide, etc. Après la photo, c'était bien gentil d'en faire, mais après on a travaillé le cadre ou la technique ou le support. Donc c'est chaque fois en réaction et chacun le fait à sa manière. Et donc, oui, pour moi, ça m'inspire beaucoup. C'est aussi très thérapeutique et je ne vais pas m'en cacher. Alors, beaucoup de gens reprochent aux personnes de couleur de faire du personnel, mais tout le monde fait du personnel. Quand Picasso dessine des femmes à poil tout le temps, c'est du personnel parce qu'un hétéro qui aime les femmes, et les voir sur toutes les coutures. Quand un Hamilton, qui est pédophile, fait des photos de jeunes filles en bas âge, etc., c'est du personnel aussi, mais on ne va pas dire ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on label les gens? Oui, tout le monde fait du personnel quasiment. Ben Creed aussi, quand il fait ses tableaux surréalistes aussi, c'est parce qu'il a sa pensée. C'est du personnel, tout le monde fait du personnel. Donc, c'est aussi réduire comment est-ce qu'on juge une personne de couleur. Ça, c'est aussi du racisme. Ou une personne trans, ou une personne LGBT. Quand Hockney fait des hommes dans une piscine, oui, c'est du personnel. C'est parce que c'est ça qui fait travailler, qui lui donne envie de représenter sa réalité. Donc, tout le monde fait du personnel. Alors, ça, c'est souvent ce qu'on entend dans le milieu de l'art, c'est pour un peu te mettre de côté. Donc, oui, je sais que je suis à risque de ça en faisant du personnel quand je fais bang bang, la vidéo bang bang où je me suis fait taper sur la face derrière par mon prof quand j'étais en classe et que j'en fais une vidéo qui répare ça justement et puis il me dit c'est du personnel. Et tout le monde peut comprendre parce que tout le monde a vécu des violences, que ce soit par son prof qui était raciste ou par son père ou sa mère qui était alcoolique ou par quelqu'un dans la rue sa passe ne lui revenait pas et claque, se donne le droit de taper dessus ou des violences verbales aussi. Il y a tellement de violences dans le monde. Tout le monde peut se lier à ça. Donc je pense que oui, c'est inspirant. Et après, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, comment on veut le dire, comment est-ce qu'on veut que les gens le lisent. Il y a des gens qui veulent tout expliquer et pourquoi pas, c'est très bien. Il y a des gens qui veulent juste avoir une essence de ce qu'on peut ressentir et c'est très bien aussi. Il y en a qui font de l'abstrait et puis juste regarder un tableau qui, comme du Pollock, peut donner tellement d'émotions. Voilà, donc c'est chacun. Et il en faut pour tout le monde, justement, et de réduire en disant qu'il n'y a qu'une forme ou qu'un public, c'est tellement réducteur aussi. Ouais, et merci, merci. C'est dans cette lignée, une des questions, une des curiosités pour moi, c'est toujours une question quand je parle à n'importe quel autre artiste marginalisé, mais en particulier les artistes queer et racisés, parce que c'est là où je me retrouve aussi issu de l'immigration. C'est que souvent, en fait, il y a, parce que tu parlais aussi du contrôle des institutions, en fait, parce que oui, il y a les artistes marginalisés qui créent, qui font de l'art, qui s'expriment, etc. Mais il y a toujours un contrôle par rapport aux institutions et qu'est-ce qui circule. Et par exemple, pour moi, dans mon expérience, un des challenges que j'ai eu souvent, en fait, c'est que on s'attend à ce que je performe ou que je recrée mes traumatismes, en fait, uniquement parce que je suis une artiste marginalisée. tu sais, souvent c'est du genre, ah, mais t'es une personne trans, donc fais une performance sur
ta douleur en tant que personne trans, c'est où Oui. t'as et donc je suis curieuse de savoir c'est quoi toi ta relation par rapport à ben, ce que moi j'appelle la performance du traumatisme qui souvent c'est les institutions qui nous le demandent. Quand est-ce que tu décides toi d'aller dans les traumatismes ou de ne pas y aller ou quand est-ce que tu décides comment est-ce que tu navigues ça surtout par rapport aux institutions? Déjà, je ne fais pas un travail en pensant qu'il va être montré. Donc, je le fais pour moi-même, c'est réparateur. Après, c'est à moi de décider de vouloir le présenter à des festivals, à des expositions, dans des différentes plateformes. Ça, c'est autre chose. Mais quand je décide de le présenter, c'est que c'est déjà réparé pour moi. On me dit, ça devient presque objectif, ça devient comme pas éloigné parce que ça fait partie de mon corps. Mais par exemple, quand j'ai fait le film Dys Adoption, c'était très personnel. Mais au lieu de décrire, par exemple, ma pensée pour comment je me sentais parce que mon père voulait me désadopter, etc. Oui, ça fait douloureux parce que déjà, je détestais pas du tout mon père. C'était un sentiment neutre. Je le considérais comme mon père. Mais donc, c'est à toi en tant qu'artiste de voir sous quelle forme ça peut être pris. Et donc, moi, j'ai juste pris ces mots simplement comme une lettre et j'ai mis dans un poème d'enfant. Donc, les gens, déjà, la lecture de pouvoir mettre à vous dirai-je papa, c'est la chanson en français. Donc, c'est connu par tout le monde. Donc, il y a cette lecture enfantine qui peut se mettre à la place de quelqu'un où on dit enfant-parent, cette relation-là aussi. Même si j'étais adulte, j'avais 40. Presque 40 ans quand il a voulu me désadopter. Donc, je me dis, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? Mais après, est-ce que moi, j'écris sur moi ce que je pense ou est-ce que j'écris, lui, la violence dans laquelle les mots, il l'a dit? Et donc, ça pourrait, pour moi, logiquement, c'était plus perceptible parce que c'était une parole de blanc, justement, sur une personne de couleur. Mais ce n'est pas un film raciste, c'est juste un film de relation comme une lettre de rupture, par exemple. Donc, c'est ça, c'est compliqué. Après, c'est de le présenter. Heureusement, il a gagné un prix ici, à Montréal, par vote. Mais après, la directrice du festival, qui était coréenne, n'a pas aimé parce que ça a donné une mauvaise image de la Corée. Donc, c'est même aussi des personnes de couleur aussi qui peuvent nous. Parce que ça rentre pas dans. En tant qu'immigrant, on veut montrer une bonne image, par exemple, le festival Axé Asie. J'aime bien ce festival, mais j'ai l'impression que je suis pas, c'est pas que je suis pas représentée parce que là, tu te souviens que tu avais MC Un cabaret. une soirée de performance Ouais. et il y avait une adoptée dedans et c'était la première fois qu'il y avait une adoptée qui était représentée en tant qu'adoptée qui pouvait s'exprimer. C'était très émotionnel, mais tout le monde était émotionnel dans ce qu'il disait, tout était très personnel. Mais tout le monde a dit, est-ce que ça va avec tes parents? Après, j'entendais les gens qui lui demandaient ça. Mais on est des adoptés, on est des personnes, on n'est pas toujours liés à nos parents non plus, on a une histoire ailleurs aussi. Et donc, pour moi, c'est aussi quand on décide de présenter un travail, après, c'est tout ce qu'il y a autour, comment le public accepte. Mais là, c'était une première, donc sans doute les gens n'étaient pas habitués, mais je pense que c'est à force de faire. De continuer de dire qu'on est présent, etc. Moi, c'est souvent ce qu'on m'a dit, c'est que quand je faisais des trucs, il fallait que ce soit asiatique, je pense comme toi, représenter un trauma ou l'immigration, etc. Mais quand on fait de l'art, est-ce que nous, on fait de l'art blanc? C'est ça aussi, c'est se demander. Est-ce qu'on fait de l'art hétéro? Oui, par exemple, c'est la première fois, je me suis dit, mis la réflexion, après 100 jours de confinement, ben oui, j'étais agressée du fait que j'étais asiatique. Et donc, ça m'a encore plus confinée parce que je n'avais pas envie de revivre de violence. Mais non, je n'ai pas fait un film sur la violence que j'avais vécue dans la rue. J'ai l'impression que j'ai fait une représentation. Et c'est peut-être à cause de mon âge aussi. Je trouve que j'ai fait un travail de blanc. C'est-à-dire que j'ai mis que des pétales. Ça fait très joli. Ça fait pas gay, ça fait pas hétéro, ça fait rien du tout. Mais d'un côté, c'est un travail et c'est là où j'ai eu le plus de likes dans mes trucs, alors que je trouvais que c'est pas du tout asiatique, c'est pas du tout, ça n'a aucune forme spécialement.
Et moi, je travaille toujours, donc je ne sais pas si vous avez, mais je pense que j'ai déjà tellement répété que je travaille sur le nombre 100, parce qu'en coréen, le nombre 100, c'est le même mot que le mot blanc, c'est le même son, donc pek. Le pek, donc c'est, j'ai travaillé ça pour représenter 100 coréens blanchisés. Ça, c'était ma première œuvre. Et puis, je travaille toujours sur le chiffre 100, 100 secondes, mes vidéos sont 100 secondes. Et là, j'avais récolté 100 pétales de fleurs qu'on m'avait donné pour une pivoine pour mon anniversaire. Et j'en ai fait, après les 100 jours de confinement, donc du 13 mars au 21 juillet, exactement. Et 21 juillet, c'est la journée des autochtones. Donc moi, je trouve que ce travail fait plus référence à la culture que j'ai apprise sur les autochtones, qui est retour à la nature, qui est plus centré sur notre relation à la nature. Et donc, je me dis, est-ce que c'est ça que ça m'a pris? Et c'est la première fois que je faisais un travail en tant que Canadienne, parce que je viens de recevoir ma citoyenneté aussi. Donc tout ça, c'est des trucs. Félicitations. Après, je me dis, peut-être ma rage est transformée, mes traumas se transforment différemment par rapport à mon évolution aussi, comment je perçois de transposer une expérience. Donc, mais moi, je suis pas tellement performative, donc parce que déjà, j'aime pas mon corps, mais donc mon visuel, c'est vraiment ce que je peux faire de mes 10 doigts. Heureusement, j'en ai 10 encore. Donc voilà, et je peux encore voir, même si je vois moins bien avec l'âge. Est-ce que ça répond à ta Wow, question? ok. Oui, non, ça répond super bien à ma question. C'est fascinant. Il me reste deux questions en fait, deux dernières questions. La première, c'est que j'aimerais en fait, tu viens de le mentionner même là, revenir un peu à cette notion de la rage et ou de la colère en fait, parce que c'est Oui. quelque chose qui est très présent dans les communautés marginalisées. Souvent, on crée de cet espace, mais aussi une des choses que je réalise même pour moi aussi au fil du temps, c'est que ma relation à la colère, ma relation à la rage, elle a changé, ben parce que moi aussi j'ai évolué. Donc je voulais savoir, donc ça a été quoi un peu, comment est-ce que toi ta relation à la colère a changé au fil de ta carrière? Ben souvent, je donne la, je, c'est pas que je donne la parole, mais je dis pas moi ce que je ressens par rapport à un événement violent. C'est la personne qui m'a violenté qui prend la place, parce que alors chaque personne peut comprendre ce que c'est. Si c'est moi, je me mets au centre de la chose, les gens vont dire, ah, mais c'est toi, c'est pas l'autre personne. Alors que si je mets l'autre personne, comme par exemple mon père ou le prof, etc., au lieu de, par exemple, la vidéo, quand je me suis fait casser la gueule à maintes reprises par mon prof, les traces, les cicatrices que j'ai, au lieu de fracasser ma gueule à nouveau, parce qu'il y en a qui le font, ben non, j'ai fait un geste réparateur. C'est-à-dire que j'ai photoshopé et je me suis remis des cheveux au trou où j'avais dans ma tête. Donc, je pense que c'est aussi des gestes réparateurs pour moi, parce que la violence, c'est une chose, c'est ce qu'on vit. Mais je pense que si on la garde trop, et c'est ça l'âge aussi, le temps est super important. Ça, je veux dire aux jeunes aussi, c'est que le temps est important. Ne manquez pas une étape, ne vous comparez pas aux autres, chacun a son rythme. Moi, j'étais très en colère, je pense, à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, je pense. Je suis partie de chez moi, mais je me suis sentie responsable de mes actes. Donc, je savais que si je partais, ben, j'aurais pas à manger, j'aurais pas d'argent. Il fallait que, à ce moment-là, je pensais même pas à l'idée d'être gay ou pas, ou d'aimer les filles ou les filles aussi. J'aime pas spécialement toutes les filles non plus, hein, c'est clair. Mais donc, il y avait toujours quand on fait des choses, il faut savoir aussi dire pardon. C'est-à-dire que oui, je suis partie, oui, peut-être j'ai fait des choses qui n'étaient pas tout à fait correct, mais après, c'est savoir aller chez la personne et s'excuser. Beaucoup de gens n'osent pas aller dire pardon. Il y a tellement de façons. Si la personne ne veut plus voir ta face, c'est d'écrire une lettre ou d'en faire un travail artistique et le dédicacer à cette personne-là, par exemple. Aussi bête que ça peut être. Un petit twist. Je pense que l'humour m'a sauvée, ça c'est clair. C'est-à-dire que oui, il y a plein de choses qui peuvent être dramatiques, mais plein de gens ont vécu des choses beaucoup plus dramatiques que moi aussi. Il faut mettre ça
c'est relatif aussi. Ça veut pas minimiser mon expérience, mais je pense que ce qui m'a réparé, c'est de pouvoir m'exprimer justement à travers l'art. Si j'avais pas eu l'art, je ne sais pas ce que j'aurais pu devenir. Je pense que plusieurs fois, je pense comme beaucoup de LGBT ont pensé à la fin. Mais chaque fois, je me disais, je ne veux pas mourir dans un pays occidental. Ça, c'était mon truc. Je veux retourner chez moi pour mourir. Donc, évidemment, le fait quand j'ai vécu en Corée, j'ai dit, mais non, je peux mourir. Mais non, parce qu'en Corée, j'étais heureuse. Pourquoi mourir en Corée si j'étais heureuse? Donc, ça, c'est aussi ça. Mais je pense que pour le message pour les jeunes et pour ce qui est violence, on en vit tous, et même une personne blanche, évidemment, peut en vivre. Mais c'est comment le transposer. Et même parfois, les personnes blanches ne savent pas l'exprimer de la même manière que nous, parce que ce n'est pas évident. Quand les enfants, tout le monde, dans toutes les familles, on a des parents bons ou moins bons, violents ou pas, alcooliques ou pas, drogués ou pas. Et on en parlera différemment. Eux vont faire un autre travail dont la race ne sera pas impliquée ou l'expérience d'immigration ne sera pas impliquée. Et c'est ça, c'est de rester artiste jusqu'au bout, comme on dit, mais de pouvoir l'exprimer, de pas se dire, oh, mais je suis pas bon. Non, tout. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et puis après, c'est le travail de curateur, de commissaire, c'est choisir ceux qui pourraient en parler à un plus grand public ou qui pourraient faire changer un petit peu les choses ou qui pourraient donner une visibilité de notre expérience. Oh, merci, merci pour ça. Tu sais, je suis. Je t'entends dans ce moment-ci. Tu sais, j'ai envie de repartir dans le passé, retrouver la version de moi qui avait 18-20 ans pour que ce moi du passé puisse écouter ce que tu viens de dire là. Je Peut-être pense que que si quelqu'un je. nous entend et se dire, ah oui, je suis passé par là, tu vois. Ouais. Mais nous, à Non, notre parce... époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça à 18 ans. Donc, Ouais, c'est ça. prenez cette chance-là, informez-vous, osez perdre du temps à regarder des vidéos qui peuvent vous parler, qui peuvent vous donner de l'espoir, qui peuvent vous faire penser autrement. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Kimura. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Est-ce que t'as une... Est-ce que tu veux bien plugger ta présence en ligne? Comment est-ce qu'on fait pour suivre ton travail? Mon travail, mon site internet officiel, c'est starkingproject.com. Puis j'ai mes vidéos qui sont sur vimeo.com, kimurapiol.com. Et si vous googlez Kimurapiol Nathalie Lemoine avec un tiret, parce que c'est mes deux identités, je ne vais pas en prendre une plus pour l'autre, parce que mon expérience adoptée est super importante, vous trouverez des liens. Et je remercie la fierté de me donner cette plateforme pour m'exprimer aussi en tant qu'intersecte. Au niveau de l'art, en tout Et est-ce que tu as des projets ou des expos qui s'en viennent? cas. Tout dépend des demandes de bourse. Je viens d'être refusée par le CNAC. Mais bon, ça ne va pas m'empêcher de travailler. J'ai demandé à deux institutions, mais je pense qu'il faut garder l'espoir. Et puis, même si on peut faire de l'art, même si ce n'est pas à montrer dans un musée ou dans une exposition ou dans un café, faites-le, documentez-le. C'est très important d'archiver. Ça, c'est ce que je voudrais dire aussi. Archiver, parce qu'il y a les archiviers gays du Québec, il y a aussi les archives lesbiennes. Si vous ne savez pas quoi faire, donnez, faites des donations aussi. Parce que justement, les autres générations pourront aller puiser les gens qui font des études, les recherchistes, etc. Partagez vos informations. Mais aussi, respectez-vous dans les limites de ce que vous pouvez partager. Ouais. Ben en tout cas, merci beaucoup. Merci Kimura. Merci pour tout ce que tu fais. Et je te souhaite bonne continuation. J'ai hâte de te côtoyer dans d'autres milieux artistiques LGBTQI+, racisés, immigrés ou autres du Québec. Merci. Merci beaucoup à toi. Et on se reprend. OK. Bye bye. C'est fini. J'ai... Quatre... Ça dit que c'est Si, toujours en train d'enregistrer.
Je crois que Félicia reviendra dans un instant, une fois que Félicia, ça m'a. Félicia, fais ta soeur. Non, mais non, pas peur qu'elle a, ok. Allez, vas-y, 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 chante. C'est quoi ta chanson préférée? Moi? Oui. Oh God! J'écoute quoi? J'écoute beaucoup de musique mauricienne en ce moment, en fait. Ok. Ouais, j'en écoute. Je sais pas pourquoi. Je crois tout le temps, en fait. J'écoute beaucoup de musique mauricienne. C'est un moyen de me. C'est nostalgique là. Ça me permet de me sentir connecté Est-ce à que tu l'île écoutes Maurice. la musique de l'époque ou Beaucoup plus de l'époque, oui. Beaucoup plus de l'époque, beaucoup plus Ah des oui, années c'est ça la 90. nostalgie. Ouais. Ah, quelque chose. Ok. Ah oui. Félicia, reviens. Ok. Mais ouais, bon. Ils vont retravailler cette vidéo de toutes les manières. Donc, ouais. C'est ça. Mais sinon, tu fais quoi de ton été? Ton été ressemble à quoi? Et moi, pour le moment, j'aurai une exposition là dans le Vieux-Port. Puis j'ai appliqué pour des performances devant ma fenêtre. On ne sait pas si ça. Oh cool! Le truc du cam, c'est ça? Oui, t'as aussi Non, appliqué? non, j'ai pas appliqué finalement. Je pensais appliquer, mais ouais, non, je trouvais que ça allait être beaucoup trop de travail pour. Ouais, j'étais genre, ouais, ça allait, tu sais, ça allait pas être, j'allais pas postuler pour une grosse subvention. Tu sais, Ah oui. ça allait être beaucoup de travail pour ensuite le retour Oui. aller être trop minime. En J'étais fait, du genre, non. c'était assez facile parce qu'il ne demandait pas autant de choses que dans les grosses bourses. Mais tu fais Ouais. d'autres projets ou tu as d'autres projets? Mais c'est ça, c'est que j'ai quand même les trucs, ouais, je suis quand même le, j'ai un livre qui sort, mon recueil de poésie sort au mois de septembre. Ok. Donc il y a Ici à toute la... Montréal? Ouais, à Montréal, partout, mais Ok. je ferai un lancement à Montréal, c'est sûr. Ok. Et mais le recueil de poésie est aussi un spectacle, en fait. En fait, c'était un Ah, spectacle d'abord que j'ai tourné en livre. Le spectacle, la première était censée être au mois d'avril, au mai, au Montréal Art Interculturel, mais ok. à cause de la Oui. COVID, ça n'a pas eu lieu. Mais là, on a eu confirmation que ça a été reprogrammé pour l'automne. Donc, je serai de retour en studio à Ah. travailler sur le spectacle aussi pendant tout le mois de septembre. Donc, il y a entre le livre et le spectacle, je suis genre, il y a beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah, c'est cool Donc, ça. Et tu sais c'est quand en ça. septembre? Parce que moi, je vais en Corée normalement. Mais... C'est dans la semaine du 5 octobre, en fait. Ah, c'est super, je serai de retour. Ok, cool. On se tient au courant par rapport à ça. Ouais, Félicia, hello! j'ai manqué les 2 dernières minutes, j'allais fumer une clope. J'étais comme, je pensais que ça serait peut-être un petit peu plus long. Attends, je m'entends. Tu passes Ah mon son? oui, c'est Ok, c'est pas enterré. grave. C'est vraiment super. Ça va? J'ai manqué les genre 10 dernières minutes, là, l'appel de la clope, mais c'était vraiment. Vraiment, vraiment bien. Ouais. Ah oui. Tout en feu aussi, Yay! là. Allô, Kimura, je ne sais pas si tu me Ça va? reconnais. Mais oui, Ça va c'est bien? Antoine. Oui, ça va. Ah, j'étais vraiment heureuse de voir que c'était toi. Ah, merci. Et belle Je vais arrêter conversation. l'enregistrement. C'est parce qu'on se connaît déjà depuis un peu avant.